Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de toucher un adversaire à au moins 50 mètres de distance avec un arc. Alors pour réaliser ce défi, si vous avez difficile à le faire, je vous invite à aller dans la description ou en commentaire épinglé. Je vous mettrai un lien vers une vidéo qui vous explique comment faire des parties uniquement contre des bots. Donc là, moi, je suis uniquement contre des bots et vous allez voir, ça va être assez simple. Alors pour faire, ne vous tracassez pas, c'est complètement légit, hein, c'est une astuce et vous ne risquez pas de vous faire battre. Alors une deuxième astuce que je vais vous donner, c'est pour savoir s'il est à 50 mètres. Là, vous voyez, vous mettez un petit ping. Vous voyez bien qu'il est à 70 mètres, donc si je le tue, si j'arrive à le toucher et à le tuer, eh ben, ça validera mon défi. Donc il faut simplement le toucher, hein. Il ne faut même pas le tuer, il faut juste le toucher une fois. Donc là il est à 53 mètres pile, donc je vais reculer un peu. Donc là il y a une autre personne, un autre personnage, hop, on va le tuer celui-là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus loin, histoire d'avoir 50 mètres de distance. Attends, je vais peut-être le faire tomber. Merde, je l'ai tué sans faire exprès. Donc c'est pas grave, je vais chercher un autre joueur et je vais réessayer. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de le faire en foire d'empoigne. Parce qu'en foire d'empoigne, ben, les joueurs, ils jouent pas vraiment leur vie. Qu'en partie normale, ben, c'est un peu plus compliqué. Donc en foire d'empoigne, vous trouvez un arc, vous faites la technique avec le ping. Comme ça, vous voyez à plus ou moins quelle distance vous êtes par rapport à l'adversaire. Si vous voyez que vous êtes à plus de 50 mètres, bah vous essayez de le toucher. En plus, en foire d'empoigne, les joueurs, y a quelques joueurs qui sont fixes, qui ne bougent pas. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Ok, donc là, j'ai trouvé un adversaire. Il est là-bas. Bon, là, c'est plus de 70 mètres. Donc, ça va être compliqué de le toucher. Ah, il est à l'étage. Je vais quand même essayer. Donc là, il y a 82 mètres. Si j'arrive à lui mettre une balle, ça validera le défi. Ok, je l'ai loupé. Je vais quand même me rapprocher parce que 100 mètres, c'est quand même loin. Ok, donc là, il est à 70 mètres, celui-là. Ok, c'est bon, je l'ai touché à 70 mètres. Donc, si mon défi serait activé, ben là, j'aurais terminé le défi. Parce que vous avez juste à le toucher une seule fois pour terminer le défi et gagner 24 000 XP. Donc, voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. I'm make bruh.